qui saisit. Grabner a marqué dans un filet désert dans le match numéro 1. Grabner, la passe, Stahl, lancé, arrêt! Ont été probablement le meilleur trio du Canadien lors du dernier match. Oui. Devant pour Kevin Hayes. Cette passe pour Grabner. Grabner lance, arrêt de Price. Il va garder la rondelle dans sa mitaine. Radulov à Dano. Dano s'avance. Contourne le filet, passe devant et ce sera Petrie ensuite. Petrie! Markov veut l'empêcher, Zuccarello, il freine. À la ligne bleue, Girardi, un tir qui est raté, attention! Ce sera Gallagher, avec Barron, il est rapide! Voici l'échappée, Barron! Lance! Arrêt de Lundqvist! Wow! C'est McDonough qui surveille King. Beaulieu, il lance de loin, rondelle bloquée, et Hayes se dirige dans le coin. Bonne mise en échec de la part de King. Beaulieu intercepte, tombe, et ce sera l'échappée de Grabner. Grabner, il est seul. Grabner, la fin! Wow! Quelle fin de Mikael Grabner! Il vient de profiter d'un cafouillage à la ligne bleue pour marquer en échappée. Revirement de la part de Beaulieu, c'est une rondelle qui était bondissante, a tenté le tout pour le tout en plongeant pour enlever cette rondelle à Grabner. C'est un joueur qui est rapide du côté des Rangers, c'est bien lui, comme Byron du côté du Canadien. Il y a déjà un échappé de chaque côté. Quel zéro! Et là, justement, Byron est sur la glace. Il voit Gallagher saisir. Il entre du côté droit. Gallagher, un tir à Lundqvist. Et Gallagher passe devant Byron. Et goal! Byron! Premier but de la carrière de Paul Byron en série, fait 2-1 Montréal. Quel travail de ce trio. Tu venais de parler de Byron, sa chance de marquer un petit peu plus tôt. Encore une fois, une rondelle dirigée au filet. Le travail depuis le derrière du filet. Quand on a parlé à Claude Julien aujourd'hui, il a mentionné les batailles à un contre un. On n'en a pas gagné assez. C'est exactement ce qui vient d'arriver. Gallagher récupère une rondelle dans l'enclave. Byron très habile avec le patin pour pousser cette rondelle sur son bâton et déjouer le gardien de but Lundqvist. Lundqvist. La rondelle et va la remettre pour Nicolas. Changement rapide apporté par Montréal. Ici, la passe devant, Nash, tire, oh, il compte! Et là, les Rangers viennent de créer l'égalité. On a profité d'un changement chez le Canadien. Rick Nash fait 2-2. T'as bien vu, Félix, un changement de la part du Canadien et surtout une belle présence d'esprit pour avoir remis cette rondelle le long de la rampe. Le petit jeu. Regardez la sortie de zone dans un premier temps. On va très loin. Aussitôt pour Radulov. Il entre. Radulov, très large. Lance le 10. Arrête du masque. Arrête deux arrêts de Lundqvist. Le premier avec son masque. Et le deuxième avec son équipement. C'est Jean-Vierre. Il nous a habitués avec ce genre d'arrêt comme un joueur de soccer, Henrik Lundqvist, au cours de sa carrière. Touché par l'extrémité du bâton de Price. Bon contact de Weber au départ. De Smith qui conserve quand même la rondelle. Weber, Ryder, Stéphane se retourne, la passe derrière, tire de loin, dévié, go! Mats Zuccarello fait dévier la rondelle! Et pour la première fois du match, les Rangers qui mènent. On avait oublié le meilleur pointeur en saison régulière du côté des Rangers. Oui, on a joué de chance un peu du côté des Rangers. Une rondelle qui va frapper Zuccarello semble être sur les jambières. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'on a perdu notre bataille le long de la rampe. L'égalité est créée 3-3. Qui
tout ça parce qu'on a été en mesure de garder cette rondelle en zone offensive. Et le disque récupéré par Galchenyuk. Weber se porte en attaque. Weber, il lance. Weber vient frapper le poteau. Pacioretty attaque, protège la rondelle. Pacioretty se retourne, envoie la rondelle devant. Là, c'est Markov. Markov attend. Weber, Weber, la passe à Pacioretty. Il lance, arrête devant. Et goal! Ce but qui va trancher le débat en prolongation. Bon mouvement de rondelle. Et regardez Radulov insistant dans l'enclave. Va remporter sa bataille sur Zibanejad et amener cette série à égalité. Et Radulov vient racheter une soirée difficile. Souviens-toi, il avait écopé de deux mauvaises pénalités. Mais là, on oublie ces deux pénalités et on pense surtout à ce but gagnant.